Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Tina CDF de retour pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je suis là pour vous présenter l'épisode numéro 10 de notre série sur l'aventure des enfers. J'espère que vous êtes tous très bien les gens et cette fois-ci nous allons vérifier par rapport à l'épisode 9 si nous avions... Vous allez me traiter en... Ouais, bah j'avais des pouces de chaîne, bon c'est pas grave. On va continuer notre maison. Ça c'était un éclair. Nous allons... continuer notre maison, hop, et éventuellement, comment dire, on construit pendant 5 minutes, promis, et après nous allons aller faire un petit tour dans les mines, encore une fois, depuis, regardez, hop, on peut dormir, donc on va dormir, ça sera fait, et puis, dégage la neige, tu vas arrêter, neige, va-t'en, merci. Donc j'avais dit, bévitrer tout là. Hop, 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 hop. Ouais, tout le reste c'est des murs en fait. Ah, des murs avec on va quand même garder des bûches, on sait jamais, ça peut servir, je sais pas quoi, mais ça peut servir. Les murs, je sais pas en quoi on va les faire, mais on va les... Je pensais trouver du boulot. Le truc en boulot, ça serait nickel. Alors, on va aller au boulot. Oh là, putain, mais non. Des fois, je me désespère moi-même, oui. C'est un truc de ouf. On va terminer ce putain de plancher de ouf. En fait, on aura une grande baraque, c'est cool, ça. Et je vais aller descendre, comme ça, moi, je pourrais descendre à la Wakba. Et j'aurais plus besoin d'attendre. Bah après non mais j'aurais plus besoin d'attendre, j'aurais plus besoin de descendre les marches une par une parce que franchement pour vous ça va être trop chiant. Je me mets à votre place, tu vois. Donc on va faire ça éventuellement. Hop et oh juste à cette planche il nous en reste 8. Number 8, planche. Plank, on dit, en anglais. Et oui, parce qu'il nous faut un saut. Et oui, il nous faut un saut. Du coup, bon, on va faire un saut. Tant qu'à faire. On va aller chercher de l'eau. On va se vider. On va aller chercher de l'eau. Regardons, 3 minutes. On a 3 minutes pour aller chercher de l'eau. Là-bas, il y a de l'eau, c'est nickel. Allons-y. Toi, t'es un bâtard, je fais ton temps en l'air. À la Wakba! Waouh, comment je les tatane! Moi, je les attanais. Putain, mais pourquoi je veux des blocs de merde, en fait? Je croyais que j'allais faire comment, de toute façon? Je vais crever. Je vais être tout ridicule. La prochaine fois, on aura plus besoin de faire. On va sauter direct. Parce qu'on est comme ça, nous. Eh ouais. On n'aura même plus besoin d'attendre. Alors que je rebouche. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Vous voyez, il y a de la neige au fond. Donc ça va être un souci.
C'est que en fait donc comme je disais l'autre coup comme je disais plutôt tout à l'heure, il y a vous voyez qu'il y a de la neige en bas. Donc ce que j'ai peur, c'est que l'eau elle gèle. Et le jour où je vais tomber, où je vais me jeter et que je vais tomber sur de la glace. À mon avis, je vais me casser les tibias. Bon, c'est mon avis, après, vous allez me dire, c'est personnel. Mais bon. Gravier est toujours là pour casser les couilles. Je sais pas c'est qui, dans Minecraft, qui a inventé le gravier, mais je le hais. Ah, notch. Mais pourquoi? Wow. N'importe quoi. Vous savez pas me le dire que j'étais avec ma hache? J'étais en train de casser le gravier avec ma hache. En mode gros lol. Ah mais c'est bon ça, le gravier de merde, t'as fini? Oh. Ah ouais, c'est bon. Terminus. Heureusement que j'avais prévu des pioches, hein, de rechange. Parce que sinon, j'aurais été ridicule. Vrai que je me fais une carte. Je vais regarder tout à l'heure là avant d'arrêter l'épisode. Ou à la fin là. Si j'ai de quoi faire une carte dans mes. Maintenant j'en ai. Génial, du charbon. Alors, ah, pour ceux qui seraient pas au courant, et je le dirai dans un gameplay, je pense, les lives vont être annulés le mercredi. Parce qu'en fait, j'ai sport, et mon frère vient me chercher directement au lycée. Vient me chercher directement chez moi, donc je peux pas faire de live. Ah, ou, attendez. Non, je dis des bêtises en fait. Je dis complètement des bêtises. Ah non, je dis des bêtises parce qu'en fait il finit à 4h, moi je finis à midi, je rentre, j'arrive, il est 1h. Donc ouais, c'est ça, j'ai raison. Donc là, il est. Non, je dis des bêtises, oubliez ce que je viens de dire. C'est ridicule, c'est idiot, c'est con, c'est. Bref. C'est la fatigue, on va dire, parce qu'il est comme 21h là. Lol, on va dire ça, on va dire ça. Franchement, on va dire ça. Parce que sinon, ça va faire peur. On va peut-être tomber sur la même grotte, hein, écoutez. Que vous voulez faire? Bah, déjà, on pourra se faire un. Excusez-moi pour le téléphone que vous venez sûrement d'entendre. Ça, c'est bâtard. Oh non, là, je ne suis pas d'accord. C'est fils de pute, même. Putain. Ah, il m'a fait bander, ce bâtard. Oh, je parie que là, c'est de la lave. On l'a sauvé. Donc comme je disais, je ne suis pas d'accord. Voilà. Excusez-moi.
D'accord. Donc faut bien noter qu'on est monté de 2. Attention. On est monté, on va redescendre. Ah, coucou. Donc on risque de tomber sur la même grotte que tout à l'heure. Lol. Celle où j'avais entendu des zombards. Non, en fait, ça m'avait dérouté de ma route et j'avais pas été. J'avais pas continué. On me l'a jamais fait celle-là. Là là, c'est triste, les gens, c'est triste. Franchement, c'est triste. Donc donnez-moi vos avis par rapport... Et donnez-moi des commentaires encore, des objectifs, des commentaires. Pourquoi je dis des commentaires? Donnez-moi des objectifs encore dans les commentaires, j'en ai pas assez. J'arrive pas à me décider qu'est-ce que je vais faire en premier, en fait. Et puis essayer de rejoindre la partie aussi, ça c'est parce que... Comme vous voyez, je suis dessus, comme là maintenant, vous pouvez rejoindre. Ou alors faut peut-être que je vous envoie un fax, pour dire... Oh, je suis sur l'aventure des enfers, tu peux rejoindre. Lol. Mais bon, c'est pas grave. Ah, faut peut-être que je vous préviens si je tourne un épisode. Donc on est monté de 1. Notez bien, on est monté de 1. Donc on redescend de 1. Éventuellement, si ça se passe comme ça, moi je reste de 1 en haut. Bien sûr, c'est déjà catégorique. C'est pas une raison que certains s'amusent à faire ce qu'ils font là, que moi je reste en haut. Tombe sur de la lave, je pète une barre. Si je tombe dans la lave, je rage. C'est logique en même temps. Vous savez quoi? J'ai pas grand-chose à dire. Du coup, en fait, je dis des conneries. Pour continuer à dire des conneries, j'ai une blague pour vous, si vous voulez. C'est un pote qui me l'a sorti aujourd'hui en cours, je sais pas. Il était tordu. C'était quoi? Ouais, quel super-héros joue au baseball? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Quel super-héros joue au baseball? Je vous répète quand même la petite blague. Alors, vous savez pas? Je la répète encore une fois. Quel super-héros joue au baseball? Le seul super-héros parce qu'en fait il n'a qu'un. Attention, hein, tenez-vous bien. Hein. Mais franchement, tenez-vous bien. Hein. C'est Batman. C'est pourri. Pourquoi? Parce qu'il est une batte. Ouais, Batman, batte. Ouais, bref. Donc je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Il doit aller se pendre. Mais bon, je suis pas mieux, moi je suis en des blogs encore plus pourris des fois. Donc
Si j'arrive à ressortir une, à me rappeler d'une blague que j'avais sortie. Parce que moi je sors des blagues et je les oublie 10 secondes après quoi. C'est vraiment des blagues de merde, toutes pourries, qu'on rigole même pas. Ouais. C'est tellement pourri en fait qu'on rigole. Si vous voyez le. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer tout doucement ou... Parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on tourne. Ouais. Je pense qu'on va faire ça comme ça on aura le temps de... Éventuellement. Donc on va encore creuser 15 blocs en avant. Donc 2, 3. Et 15. Allez, un petit 16e au cas où il y a du diamant. Non, il n'y a pas de diamant. Oh, fuck. Allez, c'est parti, on rentre à la maison. Eh bien, c'est d'abord faut faire une boussole, ensuite l'entourer de feuilles et ça fait une carte. Parce que je joue à Minecraft PS3, PS4, entre parenthèses. Que j'oublie fort. Parce que je connais des potes qui ont complètement zappé les crafts. C'est pour ça qu'ils se sont remis à Minecraft PC. Simplement. Youpi! Cours à fond de balle, mon pote! En fait, on n'a pas creusé, quoi. On n'a rien foutu. On n'a rien foutu, il est déjà l'heure, vous imaginez? C'est dingue, ça. Ah, on peut mettre butin sur... Ah non. Ah si, on peut mettre butin sur notre épée vu qu'on aurait une épée en diams. Regardez, 4 diams. Et on peut faire aussi une pioche en diams. Ah, c'est bon ça. Et donc, dans l'épisode prochain, nous allons faire le nether. Tant qu'à faire. Pour faire le portail du nether. Qu'on va mettre... pas dans notre maison vu que ça fait trop de bruit. Je vais le mettre sûrement dans les mines, je pense. Ah ouais, sinon, il va me casser les couilles. Ou alors je vais faire une salle pour, je sais pas, je vais voir. Peut-être en faire 4 de portail et faire un petit... Ouais, je pense. Je vais faire un truc dans le genre. Ouais, je vais faire un beau petit truc en... Un beau truc en... Une bonne chose. Mais par contre... M'en fous, je suis monté, sale. Attends, oh putain, ce fils de pute! Le fils de pute! Non! Excusez-moi. Oh non! Wow! Bon. Bah écoutez. On a bien fait les choses. Voici dormir. Putain, je suis dégueu. Bon, le principal, c'est qu'il n'y a rien qui a disparu, quoi. On va dire ça. Je pense qu'il n'y a rien à disparu. On va dire que c'est ça le principal. Putain, il m'a claqué tous mes fours en fait, ce bâtard là. Espèce de raptive. Je crève la faim. Bref. On va devoir faire ça. Non mais croyez pas, je répare maintenant. Hein. On dépasse un peu sur l'épisode, je m'en fous. Moi je veux réparer ma maison. Butin. Voilà, hop. Il y a ça. Il est ici. Un, deux, trois, quatre, cinq.
S'il faut une note 3. Je vais en faire 3. Du diamant, j'ai besoin des 2. Des 5 plutôt. Stick. De châtiment. Vous savez ce que je vais faire? Je vais peut-être attendre. Ouais. On va faire ça, les gens. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et je vais attendre. Je vais claquer tout ça, là. Alors, on va attendre. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord l'enchanter pour ensuite rajouter le putain de dessus. Donc, si je tombe sur un enchant, genre tranchant 2, butin 1 et je sais pas quoi, ou butin 2 et bref, ben j'aurai un butin 3 comme ça. Avantage. Donc, on va attendre. Voilà. Et puis, c'est tout, je pense. Mes carottes, on va les mettre là. Magique carotte. Je crois qu'on a. Je pense que les murs, je vais les faire en ça. Je vais tracer les murs, comme ça sera fait. Tranquille, pour la prochaine fois, je saurai à peu près ce qu'il faut faire. Il nous faudra du bois tropical, ça je crois. Deux de hauteur. Et après, à partir de là, on va mettre des. On va tout faire pour l'épisode prochain, je pense. Ouais, on va faire ça parce que sinon après ça va prendre trop de temps et puis voilà, bref. Et ben j'espère que cet épisode numéro 10 de notre série sur l'aventure des enfers vous aura plu. Si jamais vous a plu, je vous propose de mettre un petit pouce vert. Si jamais vous avez un commentaire à me faire passer, et ben ça sera tout simplement la barre des commentaires. Et puis sur ce, et ben je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde. Bâtard, j'ai pas de place pour le mettre. Là non plus. Voilà. Et ben voilà. Donc j'ai pas de place. Donc bah du coup je le mets pas. Ah ouais, je peux pas le mettre, je peux pas le mettre, je peux pas le manger non plus. Eh bah fuck. Allez, bye tout le monde.